Harry et Meghan Markle en Colombie, leur astuce pour éviter les faux pas. La future visite d'Harry et Meghan Markle fait beaucoup parler depuis son annonce. Mais pour éviter les faux pas, le couple peut compter sur cette astuce. Depuis l'annonce de leur visite en Colombie, le futur voyage d'Harry et Meghan en Amérique latine fait polémique. Le couple a été invité par la vice-présidente colombienne, Francia Márquez, qui avait annoncé qu'ils avaient gentiment accepté mon invitation à visiter notre beau pays. Nous sommes convaincus que leur visite mettra en lumière le rôle de la Colombie en tant que modèle de culture et d'innovation, avait-elle ajouté dans son communiqué de presse. Ce voyage a été très vivement critiqué, surtout après que le prince Harry ait déclaré qu'il n'amènerait pas sa femme au Royaume-Uni. De sitôt parce que le pays est trop dangereux. Le gouvernement britannique, tout comme le gouvernement américain, déconseille de se rendre dans certaines régions de la Colombie. La visite des parents des Archie et de Lilibet, qui pourraient faire partie du voyage, peut être bénéfique pour la Colombie. Un pays qui a du mal à surmonter sa mauvaise réputation en matière de drogue et d'enlèvement. Les photos d'anciens membres de la famille royale en train de participer à des événements organisés par le gouvernement. De danser dans des festivals de musique et de soutenir les causes de la vice-présidente ne pourraient que redorer l'image du pays. Mais les experts craignent que le manque de jugement et de conseils dans une tournée aussi médiatisée entache l'image et la réputation d'Harry et Meghan Markle. Pour éviter les faux pas diplomatiques et faciliter au mieux les échanges et les rencontres avec Francia Márquez, ils pourront compter sur l'expérience de Meghan Markle. À l'âge de 20 ans, elle a fait un stage à l'ambassade américaine en Argentine et parle couramment espagnol, comme le rappelle The Telegraph. Harry et Meghan Markle seront-ils en sécurité? Même si les informations sur le financement de ce voyage sont restées confidentielles, il a été suggéré que le gouvernement colombien assure un haut niveau de sécurité tout au long de leur visite avec Francia Márquez. Et s'il y a des faux pas diplomatiques, le public ne le saura peut-être jamais. Le voyage lui-même sera couvert par un journaliste d'une publication triée sur le volet, avec des photographes et des vidéastes officiels qui filmeront des images qui seront publiées ultérieurement. La couverture médiatique de la Colombie et des Sussex sera sans aucun doute élogieuse.